Merci de nous rejoindre donc pour ce webinaire qui est consacré aux enseignements à tirer de la crise sanitaire que nous traversons. Nous avons avec nous aujourd'hui l'éminent François Gémen, grand spécialiste de la géopolitique du climat et auteur de l'excellent Atlas de l'Anthropocène, voilà, que je vous montre aux éditions Sciences Po, entre autres publications évidemment. Et c'est un livre que je vous recommande fortement pour avoir vraiment une lecture très transversale de toutes les questions liées à la crise climatique, enfin à l'urgence climatique. Je vais te donner la parole dans quelques minutes, François, mais je vous présente vraiment très rapidement le contexte de ce webinaire. Il y en a pour 5 à 6 minutes maximum, le temps que tout le monde arrive dans la salle. François fait partie de l'équipe d'enseignement de Green Management School, qui est une formation Green Management School que je crée avec Franck Kerfourne et Franck Papazian. Voilà, Franck Papazian est là, président et fondateur du groupe Media School. Franck Kerfourne, cofondateur et directeur de Green Management School, qui est aussi le directeur du campus de Media School à Nice. Et alors, Media School, c'est un groupe de communication avec plusieurs écoles de journalisme, de communication, de sport, mais aussi des publications comme Stratégie et CB News. Et nous avons voulu créer cette formation après avoir fait le constat qu'il y a vraiment une très forte demande de la part des jeunes diplômés, de la part de cadres dirigeants, de la part de responsables de collectivités territoriales, une très forte demande d'une formation de fond transversale sur les sujets liés à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Alors, on a ni la prétention de réinventer la roue, ni celle d'être particulièrement visionnaire, mais on est bien content d'avoir commencé à travailler à la création de cette formation il y a quelques mois, parce qu'il me semble qu'elle trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel, à la fois avec les objectifs qu'elle entend atteindre, mais aussi son fonctionnement qui sera aux trois quarts dématérialisé. C'est une formation de niveau Master 1 et Master 2 reconnue par l'État, qui permettra aux jeunes diplômés, aux cadres dirigeants en formation continue, à des responsables de collectivités locales, de se former auprès des meilleurs spécialistes aux questions liées à l'urgence climatique. Moi, j'ai quitté le métier de journaliste il y a presque 3 ans pour prendre la présidence de la Fondation Nicolas Hulot. Et depuis presque 3 ans, je me consacre aux questions liées au réchauffement climatique, à celles de l'effondrement de la biodiversité. J'ai quitté la Fondation entre-temps, après le retour de Nicolas, mais je continue inlassablement à travailler, à militer, à me former aussi et à évangéliser sur ces questions. Et depuis 3 ans, j'ai rencontré vraiment des milliers de personnes, des étudiants, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des élus, des agriculteurs, des chefs d'établissement, des responsables associatifs et bien sûr des scientifiques. Et ce qui est beaucoup ressorti de ces rencontres, c'est qu'il y a une forte demande de la part des étudiants, des jeunes diplômés, des chefs d'entreprise, de toutes celles et ceux qui ont une décision à prendre, une responsabilité à exercer, des décisions qui engagent leur entreprise et leurs collaborateurs. Il y a une forte demande de connaissances et de formation. L'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité et leur impact sur nos existences, dès aujourd'hui et bien sûr encore demain, ce sont des questions majeures qui ne peuvent plus être minorées par les responsables, les chefs d'entreprise, les responsables de collectivités territoriales et encore moins par les États. Mais ce n'est pas qu'une question de RSE ou de développement durable. Ce sont tous les décisionnaires dans une entreprise, tous ceux qui ont une décision à prendre à un moment qui est dans le cap fixé à l'entreprise, dans son évolution, qui doivent s'imprégner de ces sujets-là. Ça ne peut pas être simplement, entre guillemets, un sujet dévolu à un directeur ou une directrice du développement durable ou un directeur ou une directrice de la RSE qui vérifierait la compliance. Prendre en compte leur impact sur l'environnement, c'est une obligation pour certaines entreprises du fait de leurs activités. Et c'est évidemment une nécessité. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes diplômés ne s'y trompent pas, qui, avant de postuler dans une entreprise, se posent la question de la conformité entre la raison d'être de cette entreprise et ses actes et la volonté ou pas de cette entreprise, son engagement pour réduire son impact sur l'environnement. Alors, c'est ce qui nous a poussé à créer Green Management School et à proposer un enseignement qui sera 70% distanciel et 30% présentiel. Et c'est un enseignement pour des étudiants donc déjà avancés,
en contrat d'alternance, qu'il fallait former à la fois sur la finance responsable, la justice climatique, les impacts sur la biodiversité, les former sur les questions du réchauffement climatique et de ses conséquences, mais aussi les interroger, les former à l'empathie, à l'éthique et à la responsabilité individuelle. Encore une petite minute pour vous parler de notre conseil scientifique et des enseignants qui nous rejoignent, donc en plus de François. On a la chance, l'honneur pour nos étudiants de profiter des lumières du philosophe Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, qui est un grand spécialiste de la pensée écologique et de la démocratie écologique, celle de la philosophe économiste Sophie Swatton, qui enseigne également à l'Université de Lausanne. Elle est spécialiste de l'économie sociale et solidaire. François Gémen, donc, est avec nous, spécialiste de géopolitique, de l'environnement et des migrations. Marie-Antoinette Meillière, grande spécialiste du climat, de la paléontologie du climat, docteur d'état en physique, physicienne, climatologue, enseignante, chercheur sera également là. Loïc Blondiot, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Il est actuellement membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Également avec nous l'ingénieur agronome, docteur en écologie, en génétique et S-sciences Pierre-Henri Gouillon, qui est un champion toute catégorie des questions de biodiversité. On a également la chance d'avoir avec nous Marc Dufumier, qui est agronome, docteur en géographie, professeur honoraire d'agriculture comparée de développement agricole à l'AgroParisTech. Florent Gagneur, spécialisé dans les liens entre les questions environnementales et démocratiques, qui est depuis 2018 vice-président de la Commission nationale du débat public, l'autorité indépendante qui est garante de la démocratie environnementale en France. Et puis nous avons avec nous aussi Hélène Le Tainaux, spécialiste de la transition écologique et solidaire, ou encore Luc Abadie, professeur d'écologie à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste des cycles du carbone et de l'azote à l'échelle des écosystèmes, ou encore Valérie Cabanès, juriste internationale qui est spécialisée dans les droits de la nature et qui sera donc également dans l'équipe. Et puis on a avec nous une femme de communication, entrepreneuse et directrice associée de l'agence InSign, agence de conseil en stratégie de transformation des entreprises, qui s'appelle Claudine Pagon et qui est créatrice de l'offre Positive Impact pour accompagner les entreprises à passer à l'économie positive. Voilà, c'est une présentation très rapide de Green Management School. On a des webinaires tous les mardis soirs à 18h, spécifiquement consacrés à l'école, son système, sa formation, comment on y accède, combien ça coûte, etc. Donc, je vais arrêter là pour la présentation Green Management School et on va commencer avec toi, François, ce webinaire qui est donc consacré à ce qu'on appelle le monde d'après, même si toi et moi, on pense que le monde d'aujourd'hui nous pose déjà un certain nombre de défis. Alors, le monde d'après sera-t-il forcément meilleur? François, tu es spécialiste, je le disais, de géopolitique, de l'environnement et des migrations, chercheur qualifié à l'Université de Liège en Belgique, où tu diriges l'Observatoire Hugo, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées en France. Tu enseignes également les politiques du climat et des migrations internationales à Sciences Po Paris, à l'Université libre de Bruxelles. Tu es l'un des auteurs pour le GIEC et tes recherches sont essentiellement consacrées à la gouvernance internationale des migrations et du changement climatique. Voilà. Et tu seras aussi donc enseignant à la Green Management Surtout School. ça. Voilà. Enfin, sur tout ça, je ne sais pas, on en est flatté, mais en tout cas, tu seras des nôtres. Alors, le monde d'après, quel monde d'après? Est-ce que c'est une notion, François, qui a du sens? Alors qu'on sait qu'on n'en aura pas fini avec le Covid avant plusieurs mois, et puis que d'autres crises sanitaires peuvent advenir. Oui, et aussi que d'autres régions du monde sont touchées aussi par d'autres types de catastrophes. Il y a, pour le moment, en Afrique de l'Est, par exemple, une invasion de criquets qui détruit les récoltes. C'est évidemment une préoccupation beaucoup plus prégnante là-bas que le Covid, par exemple. Et donc, j'ai envie de dire que quelque part, le luxe que nous avons pour le moment de réfléchir et de discuter du monde d'après, c'est un luxe que seule une minorité d'habitants de la planète ont. Et pour beaucoup, je dirais même ceux qui sont aujourd'hui confinés et ceux qui sont touchés par le coronavirus, pour beaucoup, leur aspiration première, ça sera simplement de retrouver leur activité d'avant, de retrouver leurs collègues, de retrouver leur travail, voire même parfois de retrouver du travail tout court pour ceux qui ont été mis au chômage. Et donc, je crois qu'il ne faut pas que quelque part, nous nous laissions leurrer par ce foisonnement d'idées, d'appels, de manifestes, qui évidemment sont les bienvenus et sont nécessaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura des forces
très puissantes et des aspirations très puissantes à retrouver le monde d'avant, et je ne parle pas uniquement ici des méchants lobbies ou de gouvernements qui voudraient détricoter le droit de l'environnement, il y aura aussi une aspiration très légitime de beaucoup à retrouver leur vie d'avant. Et donc pour le moment, j'ai envie de dire que les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Effectivement, nous pouvons quelque part nous saisir des leçons qu'offre cette crise, d'une sorte d'expérience pédagogique en temps réel, mais il ne faut pas sous-estimer la puissance des forces contraires et les écueils qu'il faudra franchir pour cela. Mais est-ce que faire un lien direct entre l'action de l'homme sur le climat et l'action de l'homme sur l'effondrement de la biodiversité et la survenue de cette épidémie, est-ce que pour toi c'est aller un peu vite en besogne? Pas nécessairement. Je dirais que même si aujourd'hui il y a encore toute une série de recherches qui sont en cours pour identifier exactement l'origine de la pandémie, est-ce que c'est le pangolin, est-ce que c'est la chauve-souris, est-ce que c'est un peu des deux, ce Est-ce que qui est c'est un acquis, laboratoire? est-ce Est-ce que que c'est un... c'est Monsieur Trump dit que les Chinois ont tout orchestré et fait partir tout ça d'un laboratoire? ce qui est inquiétant pour la coopération internationale. Mais au-delà des propos de Trump, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le Covid-19 est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmise par les animaux sauvages aux hommes, et que, en fait, la plupart des nouvelles maladies infectieuses qui émergent chez l'humain en ce moment, environ 75% de ces maladies, sont des zoonoses, et que la plupart des grandes épidémies qui ont touché le monde au cours des dernières années, que ce soit la grippe aviaire, le VIH-Sida ou Ebola, sont aussi des zoonoses. Et s'il y en a de plus en plus, c'est parce que nous réduisons la taille des habitats des espèces sauvages, notamment à cause de la déforestation, mais aussi à cause de l'élevage intensif, et que donc nous nous rapprochons sans cesse des animaux sauvages, et évidemment les possibilités de transmission sont facilitées du fait de ces contacts rapprochés. Et donc je crois que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ce qu'ils vivent, c'est aussi la réalisation que les questions de biodiversité, ce n'est pas juste une affaire de petits arbres et de petits oiseaux, mais que ça a un impact sanitaire très profond sur leur vie, que leurs conditions de vie sont profondément transformées par ça. Et là, je crois que c'est un des grands messages de la crise, c'est que les questions de biodiversité, comme les questions de climat, le climat a aussi une influence sur d'autres maladies infectieuses, ne sont pas juste des affaires d'environnement, mais ont des conséquences très réelles. Et d'ailleurs, à propos de l'apparition de nouvelles maladies ou l'émergence de ce qui ne sont plus seulement des maladies mais des pandémies, tu en parles dans l'Atlas de l'Anthropocène et tu parles de ce que tu appelles la géographie des maladies qui va changer. C'est un des impacts sanitaires très importants du changement climatique, c'est que toute une série de maladies infectieuses vont toucher des régions qui n'étaient pas touchées jusqu'ici. Donc on parle ici de la malaria, de la dengue, du chikungunya ou de la maladie de Lyme, par exemple, qui fait sa résurgence en Europe. C'est-à-dire que des maladies dont on croyait être débarrassé ou des maladies dont certaines régions se croyaient immunisées vont les toucher simplement parce que les agents vecteurs de ces maladies, c'est-à-dire souvent des moustiques, eh bien, vont habiter des régions dans lesquelles ils n'étaient pas présents parce que les conditions d'humidité et de température vont changer. Un exemple assez évident, c'est la ville de Nairobi, par exemple, la capitale du Kenya, qui était construite juste au-dessus de l'altitude maximale que pouvaient atteindre les moustiques porteurs de la malaria. Et évidemment, avec le réchauffement climatique, les moustiques peuvent atteindre des altitudes supérieures, ce qui veut dire qu'il faut désormais prendre un traitement antipaludéen quand on se rend en Nairobi. Ce n'était pas le cas par le passé. On sait aussi que l'effondrement de la biodiversité nous rend très vulnérables. On vient de parler des maladies, mais nous rend très vulnérables, comme il rend cet effondrement vulnérable les cultures, donc l'alimentation mondiale. Je pense qu'on ne se rend pas encore suffisamment compte de la place que tient l'agriculture comme source principale de revenus d'une très grande majorité de la population mondiale. En Afrique subsaharienne, par exemple, on estime qu'environ un ménage sur deux tire sa source principale de revenus de l'agriculture de subsistance. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable au changement de la température ou de la pluviométrie. Donc, ça veut dire que dès qu'il pleut un peu moins que d'habitude ou dès qu'il fait un peu plus chaud que d'ordinaire, ça veut dire que des familles perdent toute leur récolte et perdent leur source de revenus. Et c'est comme ça qu'une partie des migrants qu'on appelle migrants économiques qui arrivent sur les côtes européennes ces jours-ci, on pourrait tout aussi bien les appeler des migrants écologiques ou des migrants climatiques, simplement parce que pour une majorité de gens sur cette planète, l'environnement et l'économie, en réalité, c'est la même chose.
C'est nous, occidentaux, qui traçons une frontière comme si les questions d'environnement étaient séparées d'économie, mais pour beaucoup de gens, c'est exactement la même chose. Et donc, cette question, effectivement, de l'alimentation est vraiment un des enjeux cruciaux quand on aborde les questions de changement climatique. Alors, on a parlé d'alimentation, on a parlé des maladies. Je voulais juste préciser pour ceux d'entre vous qui nous suivez que on a prévu un temps de questions-réponses à la fin de cet entretien avec François Gémen. Donc, vous pouvez poser vos questions à François dès maintenant sur le chat et nous les répercuterons tout à l'heure On en voit beaucoup voilà, qui apparaissent déjà. en présence de tout le monde. Alors, moi, je vois des questions sur Mediaschool, mais pas beaucoup de questions sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions à François qui seront répercutées tout à l'heure. François, on sait que le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité provoquent déjà aujourd'hui, tu as commencé à l'évoquer là, des dégâts sur une bonne partie de la planète. Et c'est chaque année des centaines de milliers, voire des millions de morts liés directement ou indirectement au réchauffement climatique. On sait que, ne serait-ce que pour ce qui concerne la pollution de l'air, qui ne résulte pas uniquement du réchauffement climatique, mais qui est aggravée par ce réchauffement climatique, la pollution de l'air tue prématurément 7 millions de personnes par an dans le monde. Et pour la France, c'est entre 60 et 70 000 personnes chaque année. Et ce sont aussi des dizaines de milliers de personnes dont la vie. Des dizaines de millions, pardon, de personnes dont la vie est totalement bouleversée parce qu'elles sont obligées de quitter leur habitat, de se déplacer, voire d'être réfugiées. Donc cette crise du Covid, elle nous touche, elle touche l'ensemble de la planète aujourd'hui, elle bouscule nos habitudes à nous, issus de pays riches et développés voilà, qui avons pour coutume d'avoir tout à disposition. Mais pour toutes ces personnes qui souffrent déjà de l'impact du réchauffement climatique, c'est une calamité qui vient s'ajouter à d'autres calamités déjà existantes. Bien sûr, et ces impacts du changement climatique, en fait, nous ne les voyons pas. Nous y sommes profondément aveugles, simplement parce que, pour parler crûment, les morts ne sont pas à nos portes. De la même manière que nous avions tendance à minorer l'importance de la pandémie du Covid tant qu'elle n'était qu'en Chine, où on disait juste que c'est une petite grippe qui touche la Chine, on a commencé à s'en tracasser que dès le moment où il y a eu des morts en Italie, où on s'est rendu compte que la catastrophe était à nos portes. C'est exactement pareil avec le changement climatique, sauf que les morts, ils sont encore de l'autre côté de la Méditerranée et que donc on le voit comme quelque chose de lointain, comme quelque chose de distant, comme quelque chose qui arrivera d'abord aux autres avant de nous arriver à nous-mêmes. Et je dirais ce qui est frappant dans la réponse au coronavirus, c'est que nous sommes prêts à prendre des mesures aussi radicales et aussi extraordinairement coûteuses parce que nous nous sentons, nous, chacun d'entre nous, menacés personnellement. Que nous disons que nous pouvons nous-mêmes attraper la maladie, que nous pouvons être contaminés par le virus, que nous voyons des gens connus et célèbres qui ont la maladie, des Boris Johnson ou des Albert de Monaco, et qu'on se dit, oula, si même eux, riches et puissants, peuvent attraper la maladie, c'est que personne d'entre nous n'est à l'abri. Et donc nous craignons pour nous-mêmes et pour nos proches, alors qu'à l'inverse, je dirais qu'on voit le changement climatique comme quelque chose de vraiment lointain et distant. Par exemple, je suis frappé de voir comme les courbes qu'on a sur le changement climatique sont toujours des courbes qui projettent un horizon 2030, 2050 ou 2100, c'est-à-dire quelque chose qui nous apparaît comme très éloigné, quelque chose qui nous apparaît même parfois comme au-delà de notre espérance de vie, alors qu'à l'inverse, sur le coronavirus, nous avons les yeux rivés sur des courbes quotidiennes de décès et d'hospitalisation que nous surveillons comme le feu sur le lait. J'ai envie de dire, si nous avions une sorte de météo du carbone ou de météo du climat, si chaque jour on nous annonçait le nombre de personnes déplacées par les impacts du changement climatique, si chaque jour on nous annonçait le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, je pense que nous nous rendrions compte qu'en réalité le climat n'est pas juste quelque chose, une menace future, mais qu'il est déjà là. Et donc je suis frappé de voir comme nous sommes très profondément auto-centrés en fait quand on discute du changement climatique. Je suis un peu énervé par ce message qui voudrait voir que le changement climatique serait une sorte de préfiguration, que pardon, que le Le coronavirus. Covid, Préfiguration du changement climatique, de répétition générale ou de dernier avertissement avant le changement climatique. En réalité, c'est l'inverse. C'est le changement climatique qui aurait dû nous alerter sur le coronavirus, sauf qu'on n'a pas voulu le voir parce qu'il était au-delà de la Méditerranée et que globalement, les morts en Afrique ou en Asie, on s'en fiche un peu. Et quand tu dis que si on nous parlait, si on nous disait tous les jours le nombre de
millions de déplacés qui ont voilà qui les de personnes qui sont obligées de se déplacer du fait du réchauffement climatique, ou si on nous parlait tous les jours de l'impact du réchauffement climatique, on s'en rendrait peut-être plus compte. Ben, c'est à nos portes, mais c'est aussi chez nous, c'est aussi en Europe, c'est aussi Bien en sûr. France que déjà aujourd'hui le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité font ressentir leurs effets, et parfois de façon dramatique, dans des départements qui sont soumis à des phénomènes qui ne sont plus seulement météorologiques, mais qui sont désormais liés au climat. C'est dès aujourd'hui, et c'est ici et maintenant. Et on s'en rend compte à l'occasion d'événements particulièrement dramatiques comme des canicules ou des incendies en Australie ou en Californie. Mais effectivement, on a, et je dirais, la grande leçon que nous apprend l'histoire, c'est au fond qu'on n'apprend rien de l'histoire. Et je pense qu'on a toujours tendance à le voir volontiers comme une sorte d'événement météorologique qui va toucher l'environnement en premier lieu. Et je pense que vraiment, et c'est sans doute une leçon de cette crise en termes de communication, nous devons davantage insister sur les impacts humains du changement climatique comme de la perte de la biodiversité et nous rendre compte que tous les grands enjeux que nous allons aborder au XXIe siècle, que ce soit des enjeux de santé, de développement, d'inégalité, de justice sociale, de paix et de sécurité, ces enjeux vont être profondément traversés par le changement climatique et que c'est en agissant sur le changement climatique que nous allons pouvoir véritablement nous saisir de ces enjeux et les gouverner au XXIe siècle. Ça me paraît vraiment très très important. Oui, parce que ça, c'est quand même, c'est presque un constat d'échec pour les scientifiques qui nous alertent depuis plus de 40 ans. Hein. On Sommet de a Stockholm, c'était en 72, donc ça fait presque 50 ans que les rapports se suivent, les alertes, les congrès, les COP, etc., et que les scientifiques nous alertent sur la prégnance de la question climatique, sur l'urgence climatique, sur la question de la biodiversité, sans vraiment être écoutés ni par les populations, ni surtout par les dirigeants politiques. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, les scientifiques qui alertent sur le Covid sont très, très écoutés, et tant mieux. Absolument. Et je pense qu'il faut là-dessus qu'on fasse aussi notre mea culpa, ou plutôt notre nostra culpa, en tant que scientifiques qui travaillons sur le climat. C'est-à-dire qu'on envoie souvent des messages très contradictoires. On parle d'urgence climatique, mais on a des modèles climatiques qui sont calibrés sur 2050 ou sur 2100. Et donc le résultat, c'est que les politiques vont choisir des objectifs politiques calibrés sur ces échéances, en sachant très bien qu'ils n'en seront pas tenus comptables, forcément. Quand on est aujourd'hui politique et qu'on prend l'engagement de la neutralité carbone en 2050, on sait très bien qu'arriver en 2048 ou en 2049, bah d'une part, une bonne partie des gens qui étaient là au moment où on a pris l'engagement sont morts. On sait très bien, si on est dirigeant, qu'on sera sorti de charge. Et en 2048-2049, tout le monde aura oublié qu'on avait pris cet objectif il y a 50 ans ou il y a 30 ans de neutralité carbone. C'est encore pire pour l'objectif de 2 degrés ou d'un degré et demi en 2100. Qui sera là encore là en 2100 pour voir si on a réussi à atteindre ou non cet objectif. Et donc, je crois qu'en fait, le résultat de quelque part d'avoir fixé ces objectifs de long terme, et comme je le dis, nous, scientifiques, en portons une part de responsabilité, c'est qu'en fait, ce sont des objectifs qui sont très démobilisateurs. Si tu me dis, Audrey, écoute, François, ça serait bien que tu perdes 10 kilos d'ici 2030, soyons clairs, je vais continuer à boire de la bière jusque 2029, et ça sera qu'au pied du mur que je vais me dire, oh là là, il faut que je me tracasse un peu de ce qu'on va faire. Oui, Et mais donc, là, tu en auras 20 à perdre. C'est ça, en fait, le exactement. problème. Exactement. Mais c'est Pour le climat, exactement ce c'est que la nous même avons chose. à faire pour le changement climatique. Ces objectifs de long terme sont très démobilisateurs. On ne se dit pas qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant. Et je crois qu'on doit aujourd'hui, et c'est une leçon de la crise, être capable d'abandonner ces objectifs de long terme et de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, pour essayer de maximiser tous ensemble ce qu'on peut faire. Alors justement, je te retourne la question. Que faut-il faire aujourd'hui, maintenant, pour tirer les bonnes leçons de la crise que nous sommes en train de vivre et pour modifier nos modes de vie, nos organisations entre États, nos transports, nos échanges, le commerce international? Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton sens, de plus important et de plus urgent? Alors, il y a plein de choses à faire. Et on sait bien, en réalité, ce qu'il faut faire. Simplement, on ne le faisait pas parce que jusqu'ici, on était un peu entraîné dans le flux quotidien de l'activité économique. Et donc, quelque part, le fait qu'on ait mis l'activité économique en pause nous donne, quelque part, l'opportunité de réfléchir sur les leviers qu'on peut actionner. Et je pense que le principal levier qu'il faut actionner aujourd'hui, c'est la question des investissements dans les énergies fossiles et en particulier la question des subventions publiques aux énergies fossiles. Il faut se rendre compte que chaque année,
Les investissements dans les énergies fossiles, on parle ici d'investissements privés, mais aussi Et publics, public. dépassent les 5 000 milliards de dollars, donc c'est environ 6% du PIB mondial qui sont réinvestis chaque année dans les énergies fossiles. Et j'ai envie de dire, tant que ces investissements resteront là, quelque part, tout ce qu'on pourra faire, toute l'agitation qu'on pourra produire pour produire plus local, des fruits et légumes de saison, pour se déplacer à vélo, etc., tout ça restera relativement insignifiant si on n'actionne pas ce levier essentiel de l'investissement. Et donc, c'est une responsabilité, bien entendu, des pouvoirs publics. Et j'ai envie de dire que le faible prix du pétrole actuellement est l'occasion rêvée de pouvoir enfin le faire, de pouvoir réorienter ces investissements. Et puis, c'est aussi une responsabilité qu'on a chacune et chacun via notre épargne. Pour beaucoup d'entre nous qui avons de l'épargne placée dans des produits bancaires classiques, cette épargne finance à notre insu souvent des énergies fossiles. Et donc, on sait qu'il y a un gros débat aujourd'hui sur ce qu'on va faire de l'épargne, parfois de l'épargne forcée, puisque la consommation a terriblement ralenti pendant le confinement. C'est peut-être aussi l'occasion, je crois, de réorienter massivement ces investissements et potentiellement de fixer un prix plancher du carbone. On sait très bien que si on ne parvient pas à stabiliser dans le futur le prix du carbone, notamment, je vais parler un peu en termes économiques ici, notamment en internalisant dans le coût les dommages que le carbone fait à l'environnement, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas parce que quelque part, le prix du carbone ne reflétera pas son véritable coût. On a l'occasion aujourd'hui, avec l'effondrement des prix du pétrole, de le faire enfin. Et donc, c'est vraiment une opportunité dont je crois qu'il faut pouvoir se saisir. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, saisir cette opportunité pour investir au maximum dans les énergies renouvelables, dans la sobriété énergétique, dans toute cette ingénierie que nous connaissons, qui existe déjà pour réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut cet investissement. Mais justement, est-ce que le faible coût du pétrole ne le rend pas brusquement très compétitif par rapport à des énergies renouvelables? Je dirais qu'un des problèmes, effectivement, c'est que le pétrole et même les produits à base de pétrole et d'hydrocarbures vont devenir de plus en plus compétitifs. Alors, ça peut avoir des effets néfastes pour le pétrole, notamment le fait qu'une grande partie de l'industrie du pétrole non conventionnel, donc celui qu'on va chercher dans les sables bitumineux en particulier, dont l'extraction est très coûteuse, va sans doute s'effondrer. Ça va avoir aussi des conséquences géopolitiques majeures, à la fois parce qu'on imagine que les pays du Golfe vont perdre une partie de leur influence géopolitique, mais que d'autres pays émergents ou en développement, comme le Venezuela ou l'Algérie, qui dépendent beaucoup de la rente pétrolière, vont avoir aussi de grosses difficultés économiques. Donc, ça va transformer véritablement la géopolitique du pétrole. Mais le risque, effectivement, c'est que si il n'y a pas une intervention qui fixe un prix plancher pour le pétrole, le risque, c'est qu'effectivement, le pétrole devienne de plus en plus compétitif par rapport aux énergies renouvelables ou même tout simplement par rapport à la sobriété énergétique. Toute une série d'entreprises qui voudraient aujourd'hui transformer leur outil de production et s'engager dans la voie d'une économie décarbonée, ben, ne sont pas très incitées à le faire en raison des prix du pétrole. Et donc, c'est là où je crois qu'il faut une intervention majeure des pouvoirs publics. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation qui rappelle celle du choc pétrolier des années 70 plutôt que dans une situation qui rappelle la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à ton avis? Oui, je trouve que quelque part, le choc pétrolier du début des années 70 a beaucoup de points communs avec la situation actuelle, notamment parce que c'est au fond ce choc pétrolier qui a mis fin à la décennie des années 60. Les Golden 60s, qui ont été marqués par une croissance à la fois économique et démographique qu'on pensait sans limite, et qui, quelque part, le choc pétrolier a quelque part sonné un peu le glas de cette illusion, de ce fantasme dans lequel on était. Ce que je dis souvent en rigolant, c'est que c'est à cause de ça que les Beatles se sont séparés. On dit aujourd'hui que c'est la méchante Yoko Ono qui les a fait séparer, mais en réalité, les Beatles se sont séparés simplement parce que leur musique gaie et joyeuse ne correspondait plus quelque part au choc pétrolier qui signait un peu la fin de la récréation. Et il me semble que quelque part, par les vertus pédagogiques, c'est un peu bizarre d'en parler comme ça, mais par les vertus pédagogiques qu'a la crise, il y a aussi peut-être la nécessité de se rendre compte que la crise actuelle signe en quelque sorte la fin de la récréation par rapport à une forme de mondialisation débridée, par rapport à un néolibéralisme qui quelque part nous a peut-être coupés d'une série de chaînes de valeur et aussi d'une série de chaînes de production sur des biens essentiels comme ceux liés à l'alimentation ou à la santé.
Oui, mais justement, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le choc pétrolier des années 70. Ce qui s'est passé après le choc pétrolier des années 70, même si ce n'est pas la seule explication, c'est justement l'irruption de la financiarisation de l'économie, l'irruption de la mondialisation dans nos vies et le basculement dans ce système capitaliste mondialisé qui nous vaut beaucoup de déboires aujourd'hui. Alors, comment faire pour que cette fois, la suite soit un peu différente? Le mot-clé, je crois, ici, c'est la question de la financiarisation. Et aujourd'hui, on a, notamment suite au choc pétrolier de 73, une financiarisation totale du secteur de l'énergie. On a vu les prix du pétrole qui jouent au yo-yo, qui arrivaient même à des montants négatifs parfois pour le prix de certains contrats qui devaient être livrés en mai. Et on voit bien que quelque part, il y a un effet de spéculation financière qui est total sur les prix de l'énergie et donc sur une ressource qui nous est vitale. Et donc je crois que la manière dont il faut y réagir, c'est un peu en faisant le contraire de ce qu'on a fait après le choc pétrolier, c'est-à-dire en définanciarisant le secteur de l'énergie. Ça impliquera, comme je le disais, qu'on puisse réguler cela, notamment en fixant un prix plancher sur le pétrole. Et un prix plancher sur le pétrole, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le prix carbone, et un prix juste pour le carbone, Oui, les c'est-à-dire deux un sont liés. prix qui prennent en compte ce qu'on appelle les externalités négatives ou ce que d'autres appellent nos omissions négatives. Il y a des émissions évidemment de gaz à effet de serre et nos omissions négatives. Est-ce que tu peux Les expliquer un externalités. peu cette notion d'externalité négative? Les externalités, c'est la partie, je dirais, du bénéfice ou du dommage que produit un acte économique, mais qui ne rentre pas dans le prix de ce bien ou de cet acte économique. Par exemple, imaginons que nos spectateurs adorent la cravate que je porte aujourd'hui. Et donc, en On va conçoit faire un sondage. une joie qui va illuminer toute leur journée. On pourrait se dire, au fond, le gouvernement ou la Green Management School devraient me subsidier, me subventionner pour cette cravate et me payer cette cravate, ce que vous n'avez pas fait. Et donc, quelque part, dans le prix de ma cravate, ne reflète pas la joie qu'elle va procurer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et de la même manière, ça c'est une externalité positive, de la même manière, on a des externalités négatives, par exemple, le pétrole qu'on va brûler, qui va donc envoyer du CO2 dans l'atmosphère, qui va s'accumuler et qui va provoquer le changement climatique, eh bien, ce dommage environnemental n'est pas inclus dans le prix du pétrole, a fortiori maintenant où le prix du pétrole est ridiculement bas. Et donc, tout l'enjeu de stabiliser le prix du carbone et de fixer un prix du carbone, c'est de pouvoir faire rentrer ces externalités négatives dans le prix du carbone de manière à ce que le prix reflète son véritable coût et en particulier son coût environnemental. Et puis ces externalités négatives, c'est aussi ce sont aussi ces émissions de gaz à effet de serre que nous produisons de façon indirecte dans notre pays, par exemple en important des biens de consommation qui ont provoqué dans le pays où ils ont été fabriqués des émissions de gaz à effet de serre. Mais ces émissions de gaz à effet de serre ne sont pas comptabilisées pour nous qui consommons ces produits en France, par exemple. Et c'est d'ailleurs une des grandes manières dont l'Union européenne malheureusement réduit ses émissions de gaz à effet de serre, c'est en externalisant une partie de ses émissions. D'une part, à la fois en délocalisant une partie de la production, et aujourd'hui toute une série de biens qui sont extrêmement polluants à produire sont produits en dehors des frontières de l'Union européenne parce que ça nous arrange bien, et sont notamment produits en Chine parce que quelque part ça nous arrange bien que ce soit les Chinois qui gèrent la production et les émissions de gaz à effet de serre qu'ils produisent. Et d'autre part, on va parfois payer carrément d'autres pays pour le faire à notre place et pour quelque part émettre ces émissions à notre place. C'est un des problèmes, notamment dans le protocole de Kyoto, qui avait séparé les pays industrialisés et les pays en développement. On avait imposé une réduction d'émissions que aux pays industrialisés, et ça veut dire que beaucoup avaient payé des pays en développement pour produire les émissions à leur place. Alors, ben justement, parlons de quelque chose qui revient beaucoup dans ce débat sur le monde d'après, la question de la relocalisation. Alors, certains pensent même que le Covid aura la peau de la mondialisation. Est-ce qu'on peut tout relocaliser? Est-ce que tout est à jeter dans la mondialisation? Je dirais qu'il y a plein de choses qu'il faut pouvoir conserver dans la mondialisation. D'une part, parce que, par exemple, en termes de recherche ou de droit international, la mondialisation a produit énormément de bienfaits. Quelque part, c'est la mondialisation qui fera qu'une fois qu'un traitement ou un vaccin sera disponible contre le Covid, c'est la mondialisation qui fera qu'il sera rapidement disponible dans l'ensemble du monde. Et quelque part, j'ai envie de dire que si
les lois et les règlements de la protection de la biodiversité avaient été davantage mondialisés et s'étaient davantage impliqués en Chine, eh bien, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Je pense que, par contre, il y a une nécessité aujourd'hui de corriger la mondialisation et de la corriger en particulier pour les classes moyennes et les classes inférieures dans les pays industrialisés. On sait qu'une série de pays, notamment de pays du Sud, ont bénéficié de la mondialisation et il faut pouvoir le reconnaître aussi. On sait que ça a créé, par contre, toute une série d'inégalités très profondes au sein de pays qui n'ont pas su ou qui n'ont pas été en mesure de profiter à ce point des bienfaits et que ça a créé aussi des inégalités galopantes dans nos pays. Et donc la grande question, ça va être de comment on va pouvoir corriger cela. Et je pense qu'une manière de corriger cela, ça va être de relocaliser une partie des chaînes de production, notamment sur des produits essentiels, je pense en particulier à l'alimentation, à la santé et à l'énergie, chez nous, tout en gardant des frontières ouvertes et des démocraties ouvertes aux échanges internationaux. Et ça, je dirais que le défi, à mon avis, qui va être considérable à l'avenir, et c'est le grand défi politique, ça va être d'articuler les niveaux local et international de manière à éviter, quelque part, que la relocalisation ne signifie aussi un repli sur soi, ce qui pourrait et ce qui risquerait, malheureusement, de bénéficier à des agendas, nationalistes, ou racistes. Et ça, je crois qu'il y a un vrai risque politique autour de ça, si on se dit quelque part, il faut devenir plus résilient et donc plus autarcique et quelque part, fermer les frontières et nous protéger, nous refermer sur nous-mêmes, le risque, c'est que cela serve au fond un agenda nationaliste, et beaucoup, savent très bien le bénéfice qu'ils pourront tirer de cette crise. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, datée d'hier, le prix Nobel de la paix, je vais essayer de retrouver le petit montage qu'on avait fait, voilà, il est là. Le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, dit entre autres, dès lors que cet outil, l'économie, ne nous conduit pas là où nous souhaitons aller, c'est qu'il y a quelque chose dans le matériel ou dans le logiciel qui fonctionne mal. Nous devons alors y remédier et réparer l'outil. Peut-on accepter d'entendre, ah mais pardon, nous n'atteignons pas nos objectifs, mais c'est que le matériel et le logiciel ne sont pas faits pour? Non. Et c'est même une excuse pathétique. Nous voulons une planète à zéro émission nette, à nous de concevoir le matériel et le logiciel pour cela. Nous aspirons à un monde sans chômage, idem. La fin de la concentration des richesses, pareil, il s'agit de se doter du bon matériel et du bon logiciel. Le pouvoir nous appartient. OK, mille fois OK sur le papier, mais est-ce que dans la réalité, j'ai envie de dire, en mettant des guillemets, est-ce aussi simple? C'est effectivement, ça a l'air très simple sur papier et on peut qu'être d'accord avec l'idée. Et je dirais qu'un problème qu'on a souvent eu, c'est d'être quelque part prisonnier d'une série de mécanismes et d'outils que nous avions nous-mêmes mis en place. La question de la financiarisation du secteur de l'énergie est un bon exemple. Il y en a toute une série d'autres. Par exemple, on a mis en place toute une série de traités de libre-échange internationaux et puis parfois, on s'est retrouvé un peu piégé. On s'est dit finalement, nous avons perdu le contrôle sur toute une série de leviers essentiels de l'économie. La chance, en quelque sorte, que nous offre la situation actuelle, c'est que les États vont pouvoir retrouver, d'une certaine manière, le contrôle sur certains piliers de l'économie. Et avec les plans de relance et les investissements massifs qui vont être nécessaires pour relancer l'économie, ils vont retrouver un instrument formidable de planification de l'économie, quelque chose qu'ils avaient perdu, plutôt quelque chose qu'ils avaient abandonné depuis des années. Et donc la question, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir nous saisir de ces outils et quelque part les réinventer? Et je pense que ça passera beaucoup par la capacité de chacun, de chaque citoyen, à retrouver sa voix au chapitre dans les décisions collectives. Moi, je suis très Mais souvent, avec plus de démocratie participative, par exemple? notamment plus de démocratie participative, une certaine forme de renouvellement de la démocratie représentative. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de confiance dans les institutions et singulièrement dans les institutions politiques, parce que les gens ne se sentent plus représentés par leurs députés ou ne se sentent plus représentés par leurs ministres. Et donc, ils ont l'impression que quelque part, les seules choses qu'ils peuvent faire, ils peuvent le faire en tant que consommateurs par leurs actes de consommation. Ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire moi? Tout ça est décidé au-dessus de moi par les politiques ou par les multinationales dans lesquelles je ne me sens pas, je ne me sens plus représenté. Et aujourd'hui, à mon avis, l'enjeu, c'est que chacun agisse non seulement en tant que consommateur, ça reste important, mais ce n'est pas suffisant,
mais se réapproprient en tant que citoyens les leviers de l'action collective et les leviers des choix collectifs. Et je crois véritablement que la lutte contre le changement climatique ne pourra pas faire l'économie de solutionner ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la démocratie représentative. Il y a des manières, il y a des outils, notamment via davantage de démocratie directe pour faire cela, mais il faut que les citoyens se réapproprient les outils des choix collectifs, et c'est à mon avis le moyen de pouvoir lutter efficacement contre le changement climatique, et même la contre. Ça tombe bien, c'est un gros volet de l'enseignement de la Green Management School avec Dominique Bourg, avec Loïc Bondiot, avec Florent Gagneur, entre autres. Encore deux questions, François, et puis on va laisser un peu de temps pour les questions à la salle. Alors, je sais qu'il y a une affirmation qui a le don de t'exaspérer ces temps-ci, c'est l'affirmation « la nature reprend ses droits ». Donc tu penses que c'est un cliché, mais bon. Je te laisse répondre, mais quand même, alors la nature ne reprend peut-être pas ses droits, tu vas nous dire pourquoi tu penses que c'est pas le cas, mais les droits de la nature, ça je sais que tu y crois. Bien sûr. Donc c'est deux choses assez différentes. La question de la nature reprend ses droits, honnêtement, c'est une sorte d'illusion. Les animaux sauvages qu'on a pu voir dans les villes venaient avant tout parce qu'ils n'avaient plus rien à manger et qu'ils cherchaient à manger. Et quelque part, ces quelques manifestations de la vie sauvage plus proche de nous, quelque part, ne doivent pas occulter le fait que la crise est aussi et surtout l'occasion d'une offensive massive contre les règles de protection de l'environnement. L'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement, donc l'équivalent du ministère américain de l'environnement, a décidé de ne plus appliquer ses propres règlements jusqu'à nouvel ordre. On voit aujourd'hui que toute une série de lobbies utilisent la crise comme un prétexte ou une excuse pour s'affranchir de réglementations environnementales et finalement installent l'idée que les règles de protection de l'environnement seraient des entraves à la bonne marche de l'économie, ce qui, à mon avis, est un message assez terrible à envoyer. Et donc, je ne voudrais pas du tout qu'on s'imagine que la nature reprend ses droits pour le moment, d'abord parce que ce n'est pas vrai empiriquement, et puis qu'est-ce qu'on dira à la sortie du confinement? La civilisation reprend ses droits et nous allons quelque part reprendre la maîtrise de la nature. Je pense que ce n'est pas du tout dans l'idée, en tout cas de l'écologie politique que je partage, cette idée d'opposer ainsi la nature aux humains qui l'habitent. Je suis excédé par ces messages qui voudraient voir dans le virus une sorte de malédiction ou de message que nous enverrait la Terre, comme si le virus avait un agenda politique, comme si le virus était une punition pour ceux qui devenaient malades. Je trouve ça à la fois choquant pour les familles qui souffrent et qui sont atteintes par la maladie et complètement absurde parce que, effectivement, ça donne au fond l'idée que ce serait nous, humain, le problème est bien entendu nos activités créent des dommages et des dommages irréversibles à l'environnement, mais ce à quoi nous devons, à mon avis, aspirer, c'est à une vie en harmonie avec le vivant et pas en opposition avec le vivant, comme si l'un devait reprendre ses droits sur l'autre. Et les droits de la nature, donc, tu y Alors, les crois? droits de la nature, ça c'est autre chose, et je pense qu'effectivement, à la fois d'un point de vue politique et juridique, mais aussi d'un point de vue économique, on a fait comme si quelque part la nature était un supermarché sans caisse à la sortie et qu'on pouvait se servir Indéfiniment. sans que cela finalement ne touche Est un personne. coût, On a fait oui. comme si la Terre et le monde étaient deux choses séparées, comme si la Terre était l'astre céleste sur lequel on habitait et où, dans lequel on pouvait se servir à satiété. Et comme si le monde était l'organisation politique et sociale de la Terre, et que quelque part, comme si rien de ce qui se passait dans le monde, comme si rien de ce que nous puissions faire n'allait avoir un impact sur la Terre. Et le message que nous envoie l'Anthropocène, donc cette sorte d'époque géologique nouvelle qui se caractériserait par le fait que l'action de l'homme est désormais visible dans les entrailles de la Terre, que nous sommes devenus les principaux facteurs de transformation de la planète, est à mon avis un message politique très fort pour comprendre que la Terre et le monde, en fait, ne forment qu'une seule entité. Et encore une dernière question, François, parce que Bien sûr. j'entendais ce matin sur France Inter mon ex-confrère Nicolas Demorand demander à Nicolas Hulot, mais comment se fait-il que malgré l'arrêt de l'aviation et de la circulation automobile, les émissions de gaz à effet de serre n'aient diminué que de 5 à 6 %, ce qui est déjà énorme. Est-ce que ça veut dire que finalement l'aviation civile et les voitures n'ont qu'un impact marginal sur les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, on sait que cet impact n'est pas marginal,
et qu'il n'est pas le que la circulation automobile et aérienne ne sont pas les seules sources d'émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. D'abord, peut-être un commentaire sur cette baisse des émissions. Le paradoxe actuel, c'est que pour la première fois, on est à peu près dans les rails des objectifs de l'accord de Paris, et on y est non pas grâce à des mesures de politique climatique, mais on y est à cause de mesures de confinement sanitaire. Et donc, c'est quelque part aussi quelque chose qui souligne l'inefficacité, malheureusement, des mesures qu'on a entreprises jusqu'ici, enfin, sinon l'inefficacité, au moins l'insuffisance des mesures qu'on a prises jusqu'ici pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et on pourrait se dire, tiens, au fond, qu'est-ce qui se passerait si nous avions l'opportunité de faire une expérience en temps réel où on confinerait la moitié de l'humanité chez soi, où on mettrait le transport à l'arrêt, où on mettrait nos activités économiques à l'arrêt, et on verrait ce que ça donnerait sur les émissions de gaz à effet de serre. Et quelque part, pédagogiquement, nous avons l'occasion de faire cette expérience en temps réel, et qu'est-ce qu'on voit? Que les émissions ne baissent que de 5 à 6 %. Ça tient au fait, d'une part, que tout le monde n'est pas à l'arrêt en même temps, et que quelque part l'activité économique en Chine a déjà largement repris, qu'aux États-Unis, on ne peut pas dire que le pays tout entier soit à l'arrêt, idem au Brésil ou idem dans d'autres grands pays émergents. Et donc ça, c'est un élément important, donc ne pas être trop autocentré et de réaliser qu'en dehors de nous, le monde continue à tourner. Et deuxièmement, que les émissions qui sont produites par nos comportements individuels, et notamment par les transports individuels, ne représente en fait qu'une partie très limitée des émissions de gaz à effet de serre. Le transport aérien, c'est 3 % des émissions mondiales. Le transport automobile, c'est 9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, c'est des sources d'émissions importantes, a fortiori si elles sont rapportées à chaque individu. Mais dans le total des émissions, il faut se rendre compte que le changement climatique est avant tout un problème structurel de macrostructure de l'économie avant d'être un problème d'émissions individuelles. On sait que nos comportements individuels déterminent, selon les pays, entre 25 et 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour le moment, en France, les émissions ont chuté de 30 %, donc on est pile au milieu de la fourchette. Ça veut dire que même si nous devenons chacun beaucoup plus vertueux et beaucoup plus sobre, ce que nous devons faire absolument, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante si on ne remet pas à plat aussi les structures de l'économie. Et si on ne fait pas ça, eh bien, quelque part, tous les efforts que nous pourrons faire individuellement ne seront pas suffisants. Et donc, il y a une nécessité de se saisir de la question, non seulement en tant que consommateur, mais aussi et peut-être surtout en tant que citoyen. Alors, on va passer aux questions de la salle. Il y en a beaucoup. Laurent et Estelle, Laurent et Estelle, oui, il y a un T à la fin de Laurent, sont en salle avec nous et ce sont eux qui sont les modérateurs de cette conversation. Laurent, si tu veux nous envoyer une première question. Alors, je te lis la question, François. Les démocraties sont-elles suffisamment armées et fortes pour déclencher une action décisive sur ces sujets? Pour le moment, non. Parce que nos démocraties souffrent, comme je le disais, d'une crise de la représentativité, que beaucoup de gens ne se sentent plus représentés dans leurs institutions. Et donc, je crois effectivement que si on ne parvient pas à résoudre cette crise de la démocratie représentative, nos démocraties ne seront pas assez fortes, effectivement, pour engager une action radicale sur ces sujets. Et je ne peux pas me résoudre à l'idée que les dictatures soient mieux armées que les démocraties pour traiter ce sujet. Et donc, c'est pour ça que vraiment, il y a un impératif à résoudre cette crise de la démocratie représentative. Je pense que ça passe par de nouveaux outils de participation citoyenne, et on en expérimente certains en ce moment, et c'est très bien. Ça passe aussi, je crois, par une plus grande responsabilité et une conscientisation de la responsabilité des politiques qu'ils ont par rapport à ça et par rapport à la nécessité, dans les démocraties qui sont les nôtres, d'être véritablement des représentants, c'est-à-dire d'être à la fois comme nous et aussi un peu meilleurs que nous. Autre question, question de Françoise. Les scientifiques, pardon, climat et biodiversité devraient parler d'une seule voix. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que jusqu'ici, on a parfois trop déconnecté les deux sujets, que les processus politiques sont différents, et toute une série effectivement d'instruments à mettre en œuvre sont différents, mais fondamentalement, ça fait partie du même problème. Et donc, je pense qu'il faut effectivement encourager toute une série de ponts entre scientifiques du climat et scientifiques de la biodiversité. Pendant très très longtemps, la biodiversité a été un peu le parent pauvre du climat. Quelque part, l'intérêt pédagogique de la crise actuelle, c'est que les gens réalisent aussi l'importance de la biodiversité et l'importance de limiter son érosion. Et donc, j'espère qu'il y aura à la fois d'un point de vue scientifique
mais aussi d'un point de vue politique, de plus en plus de passerelles entre les questions de climat et de biodiversité. Et d'ailleurs, l'organisation des scientifiques sur les questions de climat et de biodiversité est assez similaire. Sur le climat, il y a un panel international qui s'appelle le GIEC. Sur la biodiversité, il y a aussi un panel international qui est moins connu, mais qui existe aussi et fonctionne à peu près de la même manière, qui s'appelle l'IPBES. Je pense qu'il y aurait intérêt, par exemple, à produire un rapport commun à l'avenir, oui. Une autre question choisie par Laurent, donc question de Corentin Desserrano. Le changement ne devrait-il pas d'abord passer par notre système démocratique, assemblée citoyenne par exemple, pour changer tous ensemble de modèle économique? Comme je le disais, je pense effectivement que résoudre la crise de la démocratie participative, c'est une condition nécessaire pour faire évoluer le modèle économique et pour faire évoluer le modèle politique. Je pense que on a tort de séparer actuellement les questions économiques des questions politiques. Si on prend par exemple la question de la relance au niveau européen, c'est à la fois un enjeu économique pour l'Europe, c'est aussi un enjeu politique pour l'Europe. Et je pense qu'il faut que notre modèle économique soit davantage en accord avec nos aspirations et nos choix politiques. Et on a l'impression que quelque part, le politique a perdu le contrôle de l'économie, a quelque part abandonné le contrôle de l'économie au fil du temps. Je pense que l'opportunité actuelle avec la mise à l'arrêt des choses, c'est que le politique reprenne en quelque sorte les rênes de l'économie pour que les choix économiques que nous faisons soient en accord avec nos choix politiques. Et donc oui, j'approuve pleinement l'idée. Une autre question, Laurent. Alors, la BCE, la Banque Centrale Européenne, va soutenir l'ensemble des entreprises actuelles sur le marché sans contrainte, car elle ne fait, je cite, pas de politique. Mais en le faisant, elle soutiendra des entreprises en fonction de leur taille et non de leur impact sur l'environnement, leur respect des fiscalités. Comment peut-on forcer cette institution à prendre en compte ces différents enjeux? Il faut forcer les banques centrales, et singulièrement la Banque centrale européenne, à faire de la politique. Je pense que c'est une erreur monumentale que de considérer que les banques, qui sont des banques d'investissement, ne font pas de politique. Elles doivent faire de la politique, et je pense que ces banques centrales européennes, qui sont des instruments de politique économique et monétaire, doivent absolument refléter les choix politiques. Et donc vraiment, je ferai la même réponse qu'à la question précédente. Un enjeu, à mon avis, fondamental, c'est qu'effectivement, les banques centrales fassent de la politique et que nos gouvernants actuels leur donnent des instructions en ce sens. Sinon, effectivement, on va toujours arriver à une sorte de dissonance entre nos choix politiques et nos modèles économiques. Et je pense que le grand enjeu, c'est de réconcilier les deux. Une autre question. Les politiques et décideurs de demain ne devraient-ils être formés à des cursus scientifiques robustes sur la biodiversité? Il faut qu'ils viennent à Green Management School, le climat, la qualité de l'air, l'agronomie, au même titre que le droit ou l'économie. Absolument. Je dirais que c'est un C'est pour ça qu'on crée cette école. énorme impératif en matière de formation. Souvent, dans les conférences que je donne, j'ai toujours quelqu'un qui dit, mais au fond, est-ce que tout ça ne va pas changer avec la jeune génération? Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus formés sur ces questions. C'est vrai, ils sont infiniment mieux formés sur ces questions. Je vois bien dans les cours que je donne, avant, je pouvais répondre à 9 questions sur 10 de l'auditoire. Aujourd'hui, je ne peux plus répondre qu'à environ 2 ou 3 questions sur 10, et pour les autres, je suis obligé de dire, je vais aller vérifier, je reviens la semaine prochaine avec une réponse à votre question. Donc, le niveau des étudiants, en tout cas sur ces sujets, progresse d'année en année de façon spectaculaire. Je suis stupéfait de la connaissance des enjeux qu'ont les jeunes aujourd'hui qui ont entre 20 et 25 ans. Je ne comprends pas mes collègues qui disent sans arrêt que le niveau baisse. Moi, je n'y vois le niveau augmenter de façon spectaculaire, exponentielle. Le problème, ce sont les dirigeants et les politiques qui, effectivement, au cours de leur formation, n'ont jamais reçu de formation sur ces enjeux et à qui on a toujours considéré que, quelque part, ce n'était pas un enjeu de politique fondamentale. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, le programme de l'ENA ou même encore, dans une certaine mesure, le programme de Sciences Po, ce sont des programmes où les questions environnementales sont relativement marginales et où on arrive avec des décideurs qui sont parfaitement formés aux logiques de rigueur budgétaire, aux logiques de comptabilité, aux logiques fiscales, aux logiques de maintien de l'ordre, mais qui par contre considèrent que les enjeux climat et biodiversité, c'est toujours des questions techniques et scientifiques un peu en dehors du champ politique. Par exemple, juste un exemple, quand François Hollande et Laurent Fabius acceptent d'organiser la COP21 à Paris en 2015, de leur propre aveu, ils doivent prendre des cours particuliers sur le changement climatique
avec Jean Jouzel qui font venir à l'Élysée parce que de leur propre aveu, ils n'y connaissaient rien du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose qui avait été intégré sur le radar au cours de leur formation. Et c'est pour ça, je dirais, que ces questions de climat et de biodiversité sont longtemps restées en dehors de la politique, comme si elles étaient dans un silo un peu technique ou environnemental. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est de faire entrer cette question de plein pied en démocratie. Je pense qu'un grand apport des mobilisations des jeunes, c'est d'avoir fait rentrer ces questions dans le débat public et en démocratie. Et maintenant, il faut véritablement équiper les dirigeants et les politiques avec les outils qui leur permettent de gérer et de gouverner ces questions. Et tu parles de l'ENA et de Sciences Po. Effectivement, il y a quelques mois, des étudiants de l'ENA, sortant de l'ENA, avaient publié une tribune réclamant un enseignement complémentaire sur ces questions-là. Et je sais que des étudiants de Sciences Po ont fait la même chose il y a quelques semaines. Et bon, pardon de parler encore de notre boutique, mais c'est aussi après ce constat-là que, enfin, en partie avec ce constat-là, que nous avons eu la confirmation qu'il fallait créer cette formation. Alors, encore une fois, on n'est pas les seuls et on ne prétend pas réinventer la roue, mais cette formation de fin d'études, Master 1, Master 2, qui permettra justement à ces personnes qui sont déjà diplômées, qui sont déjà très expertes dans des sujets très pointus, d'avoir un bagage intellectuel, une formation transversale sur les sujets de climat, de biodiversité, de limites planétaires, tous ces sujets qui concernent notre environnement, pour que après la décision en entreprise, en collectivité locale ou la décision politique soit une décision éclairée par ces enjeux-là. Laurent, est-ce que tu peux nous un autre enjeu, si je peux juste me permettre, et que révèle aussi cette crise, c'est l'importance, je crois, de doter chaque citoyen d'une formation aux méthodes scientifiques. On l'a vu, par exemple, la controverse autour du professeur Raoult et de la chloroquine, où les gens, finalement, ne comprenaient pas pourquoi, si un médicament avait l'air de marcher, pourquoi on ne généralisait pas le traitement. Et on a vu qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas fait d'essais cliniques avant. Et je crois que c'est très important aussi que la population, non seulement puisse recevoir une formation sur les enjeux écologiques, mais puisse aussi comprendre comment la science se fabrique, pourquoi les opinions des experts sont parfois divergentes, et puisse comprendre que, par exemple, un article scientifique n'a pas la même valeur qu'un post sur Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes qu'on peut lire sur Facebook, mais ce n'est pas des choses qui ont été validées par d'autres chercheurs. Et donc, je pense que aussi un des grands enseignements de la crise, si on veut que, quelque part, la parole scientifique et les alertes des scientifiques soient davantage écoutées et davantage de place dans le débat public, je pense qu'il y a véritablement la nécessité d'une formation à la méthode scientifique pour la population. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir scientifique, mais tout le monde devrait pouvoir comprendre comment la science fonctionne. Une autre question sélectionnée par Laurent. On est tous d'accord sur la direction du changement, mais quelles mesures phares appliquer au plus vite? Je dirais la mesure phare à appliquer au plus vite, c'est la question des subventions au secteur des énergies fossiles. En France, pour chaque euro qu'on donne en subvention aux énergies renouvelables, on donne 2 euros aux énergies fossiles. Et donc, c'est le moment de remettre à plat cette question des subventions, c'est le moment de remettre à plat cette question des investissements dans les énergies fossiles. Le marché va s'en charger pour une certaine part, par exemple, le faible coût du pétrole va faire en sorte, je pense, que les investissements dans les pétroles non conventionnels, dont l'extraction est très chère, vont être très, très limités parce que les investisseurs vont se dire, à ce prix-là, ça ne vaut plus la peine d'investir. Mais il faut d'urgence que les pouvoirs publics arrêtent de subventionner, comme ils le font encore, le secteur de l'énergie fossile. Et là, vraiment, on a une opportunité unique qui ne se représentera pas. En tout cas, j'espère qu'elle ne se représentera pas avant longtemps. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de contributions dans le chat. J'en vois deux, là. Véronique Morel qui dit « Oui, François Gémen, président. » Je suis d'accord. On y va, Gémen 2022. Je ne peux pas. J'ai l'ancienneté belge. Il faut absolument être français pour devenir président. Et Françoise Abeilloux qui dit « Oui, il doit former nos dirigeants. » Et ça aussi, je suis totalement d'accord. Laurent, est-ce que tu peux nous faire remonter une question sur Laurent ou Estelle, d'ailleurs? Alors, comment faire accepter une taxe carbone sachant qu'elle a généré les gilets jaunes alors qu'elle était progressive? Ça, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, François. Ouais. Question très, très délicate parce qu'on voit effectivement qu'on a un gros problème autour de la fiscalité environnementale. On a un gros problème d'acceptabilité sociale et que très souvent, les gens vont percevoir ces taxes comme étant des taxes injustes et qu'en réalité, si certains, et c'était le cas des gilets jaunes, polluent effectivement davantage que d'autres, c'est parce que parfois ils n'ont pas le choix, parce que notamment l'offre de transport en commun dans les campagnes
reste insuffisante. Et donc, je crois que le problème qu'on a fait avec la fiscalité environnementale, c'est de ne pas suffisamment prendre en compte les questions de justice sociale et les questions de réparation des inégalités. Et à mon sens, la fiscalité environnementale ne deviendra acceptable pour les gens et même souhaitable qu'à partir du moment où elle a aussi la vocation de corriger les inégalités. Un problème du changement climatique, on le sait, c'est qu'il va accentuer les inégalités, à la fois parce que... Il le fait déjà, il les accentue déjà. C'est pas le cas. Parce que les plus pauvres sont davantage touchés par les impacts du changement climatique, mais aussi parce que les plus pauvres ont moins accès que les autres à des solutions décarbonées pour leur énergie, pour leur mode de transport, pour leur travail, etc. etc. L'exemple type, c'est le cas de la voiture électrique. Aujourd'hui, les Tesla sont certes de très très belles voitures, mais les modèles d'entrée de gamme coûtent 65 000 euros. C'est-à-dire que les gens de la classe moyenne n'ont pas du tout les moyens d'investir une telle somme dans une nouvelle voiture. Et quelque part, les voitures électriques, quelque part, risquent d'être l'apanage pour les couches les plus aisées de la population, tandis que les plus pauvres devront se contenter des vieux diesels ou des vieilles voitures à essence, voire même quand on va envoyer ces vieux diesels ou ces vieilles voitures à essence en Afrique ou en Inde ou en Chine, pour une partie de la population qui sera devenue classe moyenne et qui aspirera aussi à posséder une voiture. Et donc, il faut être vraiment, je crois, très conscient de l'impact sur les inégalités que va avoir non seulement le changement climatique, mais que vont également avoir les réponses au changement climatique, qu'il s'agisse de réponses en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de réponses en matière d'adaptation. Ça sera une des grandes nouveautés du prochain rapport du GIEC, c'est que cette question de l'impact du changement climatique et des réponses au changement climatique sur les inégalités va être traitée pour la première fois. Alors, sur ce sujet de la taxe carbone et des inégalités, on avait beaucoup travaillé dessus avec la Fondation Nicolas Hulot, mais pas seulement. Tout au long de l'année 2018, les associations, des ONG dédiées aux questions climatiques et d'environnement ont alerté le gouvernement. C'était le cas notamment du réseau Action Climat. C'était aussi le cas de la Fondation Nicolas Hulot que je présidais à ce moment-là. On a passé toute l'année 2018 à alerter, en fait, toute la première partie jusqu'en juillet, à alerter le gouvernement, à faire des rendez-vous, des pétitions, des tribunes, des conférences de presse sur le fait que l'augmentation de la taxe carbone allait aggraver un certain nombre d'inégalités et allait être, comme elle était couplée avec l'augmentation des cours du pétrole en plus, qu'elle allait être inacceptable pour ceux qui allaient être frappés. Et on a découvert, enfin ils se sont appelés après les gilets jaunes, mais pour nous c'était les classes populaires et les classes moyennes les moins favorisées. Nous n'avons pas été entendus. Une mesure technique, sans du tout mesurer les impacts politiques et sociaux de cette taxe. Parce que nous, ce qu'on réclamait à l'État, c'était pas qu'il retire cette taxe carbone, mais c'était qu'il l'accompagne massivement et d'abord qu'il dévolue les recettes de la taxe carbone à la transition écologique et solidaire, parce que la taxe carbone qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, ces recettes sont aujourd'hui dévolues au CICE et non à la transition écologique et solidaire. Mais en plus, on disait, mais si vous accompagnez les classes populaires, c'est-à-dire que dès maintenant, début 2018, vous leur apportez la possibilité de changer de véhicule à moindre frais, de changer de chaudière quand ils ont une chaudière au fioul à moindre frais, que vous accompagnez la rénovation énergétique du bâtiment et que par ailleurs, parce que l'objectif, ce n'est pas de développer uniquement la voiture électrique, c'est de développer les transports les moins polluants, donc des transports collectifs, et que par ailleurs, vous mettez en œuvre les infrastructures qui permettront à chaque citoyen sur le territoire d'avoir le choix d'utiliser ou pas son véhicule, à ce moment-là, cette mesure pourra être acceptée. Mais si on ne fait que taper sur la tête des gens sans leur offrir la possibilité d'avoir le choix de mode de déplacement moins polluant, sans les aider à rénover énergétiquement leur logement, sans les aider à changer de mode de chauffage pour un chauffage plus écologique et moins onéreux, ça ne peut pas marcher. Donc effectivement, le réchauffement climatique, déjà aujourd'hui, amplifie les inégalités, accroît les précarités, et répondre au réchauffement climatique sans en passer par la justice sociale, c'est absolument pas envisageable, et la preuve, ça a été la réaction des gilets jaunes, qui n'étaient pas contre l'écologie, qui ont envie aussi que leurs enfants respirent un air non pollué, et qui, pour beaucoup, n'avaient d'autre choix que le mode de vie qu'ils avaient et qu'on leur reprochait, qu'on les taxait pour l'avoir. Est-ce qu'on peut avoir une autre question, Laurent ? Un petit point sur la voiture électrique, parce que j'en vois beaucoup dans le chat qui disent « Oh là là, attention, la voiture électrique, effectivement, a
un impact Bien sûr. environnemental très lourd. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut généraliser la voiture électrique. C'est certainement pas une solution de mobilité, a fortiori dans les villes. Je donne simplement ça comme exemple en réaction à la taxe sur le diesel pour dire qu'effectivement, en termes de voitures individuelles, aujourd'hui, beaucoup de gouvernements vont promouvoir la voiture électrique, qui effectivement pose de gros problèmes en termes d'extraction par rapport à la batterie, par rapport au lithium. Et on voit bien que ça sera à nouveau une mesure très inégalitaire. Alors, je pense qu'on aura le temps de prendre encore deux questions avant que tu doives nous Oui. quitter. Monsieur Gemène, vous dites les États vont pouvoir reprendre leur pouvoir d'action économique. Cependant, en Europe, les pays ne sont pas souverains car ils n'ont plus la main sur leur monnaie. Est-ce qu'il est envisageable de mettre en place au sein de la zone euro des institutions relativement indépendantes à la BCE que chaque pays posséderait pour émettre de la monnaie indépendamment de la BCE? Non, je pense que ce n'est pas réaliste et qu'en fait, d'abord parce que ça détruirait malheureusement assez considérablement le projet européen, je pense que la chose à faire, c'est plutôt de reprendre quelque part le contrôle sur la BCE et de rendre la BCE dépendante des institutions politiques et des gouvernements. Un problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit que la BCE agit toute seule, sans contrôle, et donc il faut des institutions indépendantes qu'on va pouvoir contrôler. Mais je dis non, l'enjeu, c'est de contrôler et de reprendre le contrôle sur la Banque centrale européenne. Donc je suis d'accord avec le constat de la personne qui pose la question, mais à mon avis, la manière de faire, c'est de faire en sorte que les banques fassent de la politique et que les banques centrales, quelque part, dépendent des choix politiques que l'on fait, notamment au niveau européen. Et donc, il y a un enjeu véritable à ce que les politiques, quelque part, reprennent le contrôle sur ces choix de politique monétaire. Alors, on a une question d'Hortense Chauvin, question pour Monsieur Gemène. Que pensez-vous des plans pour l'après-Covid réalisés par certaines fondations comme la Fondation Hulot? Ont-ils une chance d'être entendus par les dirigeants et de permettre à une véritable transition écologique de s'amorcer dans un contexte post-Covid? Je pense que c'est très important que, je n'ai pas encore regardé en détail celui de la Fondation Nicolas Hulot ni celui du Shift Project, mais je pense que c'est très important que les associations environnementales fassent entendre leur voix actuellement. On voit que les institutions politiques sont soumises à une vraie offensive de lobbying, à la fois de la part des industries, mais aussi de la part des gouvernements, et que quelque part, il va y avoir énormément de pression pour que l'économie d'après soit surtout le sauvetage de l'économie d'avant. Et que ça serait, à mon sens, gâcher l'instrument de planification économique si on n'utilisait pas cet instrument pour investir et pour faire émerger une économie décarbonée. Donc, je voudrais vraiment que ces plans de relance ne soient pas juste des plans de sauvetage, mais soient aussi des plans d'investissement. Et c'est pour ça qu'il est très important de venir quelque part avec du contre-lobbying par rapport à celui qui se fait entendre actuellement. Je trouvais que les associations environnementales étaient très discrètes depuis le début de cette crise, donc je suis ravi qu'on les entende à nouveau. Alors, une dernière question peut-être avant de te libérer, question de Jacques Barré, qui est, me semble-t-il, un peu indigné par la situation. Influencer le climat, empêcher une augmentation de 2 degrés, est-ce réaliste? Atteindre 50% de cet objectif, cela vaudrait déjà la peine, mais bousiller des pans entiers de l'équilibre fragile et très imparfait de nos sociétés, pour arriver péniblement à atteindre 1 ou 5% de cet objectif, ce serait mal inspiré. Alors, à votre avis, et avec réalisme, 1, 5 ou 50%, bref, beaucoup à faire, mais pas du grand n'importe quoi qui entraînerait plus de dégâts collatéraux que de vraies solutions. Il y a effectivement beaucoup à faire, je serais d'accord avec Jacques Barré. Je pense que le problème, comme je le disais, c'est que si on se focalise uniquement sur ces objectifs de long terme, on ne va pas faire grand-chose aujourd'hui, que l'enjeu aujourd'hui, c'est de maximiser véritablement ce qu'on peut faire, d'essayer d'en faire le plus possible. Et soyons clairs, on n'y arrivera pas si quelque part on voit que les efforts pour réduire nos émissions sont en quelque sorte des entraves à la bonne marche de l'économie, ou soit des obstacles au monde économique. Ce qu'il faut faire, à mon sens, véritablement, c'est que les entreprises et le monde économique s'investissent pleinement dans cette économie décarbonée et pour qu'en réalité, l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre devienne quelque chose qui devienne économiquement intéressant. Et donc, si on met la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique comme une contrainte à l'économie, j'ai peur qu'effectivement ça soit irréaliste. L'enjeu, je crois, c'est d'organiser l'économie autour de cela et d'avoir une économie qui prospère autour de cela. Et effectivement, si on le met comme une contrainte, je pense que ça ne marchera pas parce qu'on cherchera toujours à échapper à cette contrainte. L'enjeu, c'est véritablement d'en faire un projet
Et c'est quelque part l'enjeu actuel de la planification économique. Est-ce qu'on peut faire un projet économique, un investissement économique autour de la lutte contre le changement climatique qui, à mon avis, peut devenir vraiment un instrument de refondation à la fois économique, mais aussi politique. Et sociale. Et sociale, certainement. Merci beaucoup François Gemmel d'avoir été des nôtres, de nous avoir consacré ce temps. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis dans la salle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes de renseignements sur la Green Management School. Donc on a un site internet green-management-school.fr. On a aussi des webinaires d'information tous les mardis à 18h et la semaine prochaine nous aurons à 11h, vendredi prochain, vendredi 15 mai, un autre webinar avec Pierre-Henri Gouillon, le biologiste dont je vous parlais tout à l'heure, grand spécialiste de la biodiversité qui fait partie de notre conseil scientifique et qui va nous parler de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met derrière cette expression? Alors, on l'a intitulé, ce webinar, « Je biodiversifie, tu biodiversifies, il biodiversifie, nous biodiversifions », parce qu'il est temps, selon nous, de bien se rendre compte que nous ne sommes qu'un élément de la biodiversité mondiale, qu'un maillon de la chaîne du vivant, et que sans le reste des maillons de cette chaîne du vivant, eh bien, nous aussi, nous disparaîtrons. Merci François, on avait dit 12h15, il est 12h14, donc tu es à l'heure, je te libère. Et merci, 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 merci à tous. À bientôt, au revoir.